Salut à tous, c'est MacNorminou, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Pokémon Éclat pour. Donc du coup là j'ai essayé de me démerder un petit peu dans le noir, je suis retourné une fois au centre Pokémon. Et puis là en fouillant un petit peu je suis tombé sur un Gugus. Et regardez, on n'est pas loin, le Gugus, enfin, notre personnage est toujours au centre de l'écran quoi qu'il arrive. Donc là vous voyez que je suis vraiment à 3 cm là sur l'écran de l'escalier. Et je viens de tomber sur un dresseur, donc théoriquement ça devrait être le dernier. J'espère qu'après on pourra aller au champion, car ça commence vraiment à m'énerver. Allez, c'est parti. On a toujours Tartare en premier. Je vais avoir du mal à m'y faire, c'est un truc de malade. Et Cacturne, mauvaise pioche. On va tout de suite mettre Typhlosion. Surpuissance. Bah, c'est Kamehameha là. Allez, roue de feu, ça devrait le calmer un petit peu. Je crois qu'il avait qu'un Pokémon, donc ça devrait être OP. Super, allez, on prie. Yeah! Déjà, tout de suite, on se fait pas avoir, on sauvegarde. Je suis comme ça. Après, on va se soigner un tout petit peu. Avec des petites bébés. Voilà. On va même sauvegarder comme ça. On sera déjà tout propre. Et c'est parti. Bienvenue, jeune homme. Je suis Amadeus, le plus grand dresseur de Pokémon Ténèbres. Il ne tient qu'à toi de vouloir me défier. Mais peux-tu assumer une défaite ? Pokémon. Alors, vous savez ce que c'est les arènes dans ce jeu, donc à mon avis il y a de grandes chances que premier coup ça me paraît vraiment beaucoup tendu. Je parle pas français mais c'est pas grave. Lui pour l'endormir à mon avis ça va être showtime. Allez. Voilà, on a réussi au moins à l'endormir, j'espère que ça va durer. Généralement les arènes ça dure pas, mais au moins on l'a. Il est de type quoi, ténèbres lui, ou pure ténèbres. Ok, donc là c'est vraiment, Tetart a aucune chance contre lui. On va mettre Mercury. Bon, j'ai déjà empoisonné, c'est déjà une bonne chose. La citrus. Non, il a soin, ça va être chiant, ça va être interminable. Parce qu'il a toujours des hyper potions, le Gugus, évidemment. Ça va être interminable, je vous le dis. Ce n'est que le premier. Mais bon, on a toujours un désavantage avec le premier, c'est qu'on sait jamais sur qui on va tomber, donc on a une grande chance de perdre des tours avant de trouver, enfin avant d'envoyer le Pokémon qui convient. Regardez, moi j'ai déjà niqué tous mes Bomberk. C'est pas très bien ça. Yeah, ça c'est bon, c'est plié. Il me reste un petit peu de bomber au cas où. Tangalis, on va envoyer Brasero.
A partir de là, on va avoir l'avantage du choix des Pokémon. Bon, ça fait pas tout, mais on gagne au moins les bonus, quoi. Oula, pour l'instant, on a de la chatte, hein. On empoisonne, on brûle. Ah, par contre, s'ils se mettent à faire des total soins, ça va être encore plus dur. C'est la première fois qu'on en fait, hein. Dans ce cas-là, ça me dérange pas, mais c'est vrai que s'ils se mettent à terme à faire des total soins, des guérisons à tout va, on est mal. Je suis un petit peu chouchou, là. Quand même. C'est quand même marrant qu'un truc aussi bourrin ait des attaques vol en vrai. Vous l'imaginez vraiment s'envoler et vous foncer dessus avec une rapidité de dingue. Bon, le séisme il va faire mal. Ça va, je m'attendais à pire. Bon là il va le soigner évidemment. Pas grave, j'ai le temps. J'ai peur quand je me dis qu'on est même pas à la moitié du jeu. On est même pas, enfin, déjà rien qu'au niveau des badges, hein, parce que je sais qu'il y a pas mal d'histoires autour de tout ça, enfin autour de la ligue, mais on est même pas au quatrième badge. Enfin, je crois que là on est au quatrième badge. On a même pas encore battu, que les machins ils sont déjà niveau 42, 45. Donc ça me fait vraiment peur. Il va vraiment falloir être niveau presque 100 pour aller à la ligue au final. Bon, si on reste 15, ça devrait peut-être être jouable quand même. Ah non, pas Bomber. On va essayer un antidote quand même, histoire de tenir un peu. Ok. Ça n'arrange pas mes affaires, on va retenter un hypnose. Et là il va m'achever. Si ce démolos me nique mon équipe, franchement je fais un scandale. Là on s'était bien émerdé. On va essayer de le paralyser avec le statique là. Qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire? Mais écoutez, on fait ce qu'on peut, hein. J'ai pas d'attaque spec, j'ai pas d'attaque. Waouh! Lance-flamme, il va me défoncer. Et je peux même pas l'empoisonner avec ces conneries. Même pas une fois. Voilà, je vais me faire one-shot toute mon équipe. Je vais envoyer en kamikaze Chou histoire de placer quand même le vampigraine si j'arrive. Ce sera déjà une chose. Oh là 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 là. Allez tiens, juste un tour, juste un tour. Allez, loupe pas ton attaque, loupe pas ton attaque. Voilà, super, merci. T'es un champion, Chou. Oh, on est mal, on est mal, on est mal, on est mal.
tiens le coup s'il te plaît. Allez, ce serait bien que ça, ça marche. Nique-le. C'est pas la première fois que Néo me sort quand même d'une mauvaise passe. Et merci à toi, Néo. Merci. Il est pas si mal ce gros pigeon quand même. Hein. Eh, une arène en one shot. La toute première. Le mieux que j'avais fait, c'était l'arène en deux coups. Et là, donc en un coup. Ah, vous vous moquez de tout ce que je suis nul. Et au final, je suis pas si nul que ça, les enfants. De plus, la CS Force pourrait être utilisée. Ok. Mâchouille. Ça, je sais, merci. Super. Bon, on va pouvoir avancer tranquillou dans l'histoire. On va aller se soigner. Je vais quand même voir si je peux pas m'acheter un petit peu de soins. Je vais quand même me prendre des petites super potions. Parce que les baies, on va peut-être pas faire que ça. Alors c'était où? Est-ce que c'était ici? Je crois qu'elle vendait des Pokéballs ici. Et là ça doit être les pierres, non? C'est pas ça? Toujours pas là. Merde, ce que j'ai fait. Des potions. Ah, il y a même carrément des hyper potions. Oh yeah. On va s'acheter 5 hyper potions. On va quand même essayer d'économiser un peu nos sous, hein. On pourra peut-être en avoir besoin. Et là, on va en prendre 10. On a des baies pour les petits. On va dire que ce sera pour vraiment l'intra-combat. Après, hyper ball. Un peu d'hyperbole quand même. On sait jamais sur quoi on va tomber. Normalement, on doit capturer des légendaires dans ce jeu, donc voilà. Si j'y vais à la Pokéball, et c'est pas encore énorme, je trouve, comme Pokéball. Dès qu'on va gagner un petit peu de combat, je ferai un plus gros stock de Pokéball. Je vais essayer, normalement, là, avec ce qui se passe, avec les soins, tout ça, avec une équipe un petit peu maxée, on va dire que je devrais plus trop perdre. Je devrais être dans de bonnes conditions pour économiser mon argent. Alors, si vous vous souvenez, il y a un épisode où je m'étais fait allumer ici. Ça a été ma zone de up pour petit tard, parce qu'il y a pas mal de coupix dans la zone. Donc ici, on a la pension, on s'en fout. On s'en fout vraiment. Ici, du coup, bah, dans l'épisode qui a été supprimé, j'avais un petit peu nettoyé tout le passage. Ah oui, d'accord, il n'y a pas de petite animation. Oh, c'est dommage. Éboulement. Donc, papa. La passion, c'est de voler avec mes roues carnage dans le ciel. Le vent sur mon visage, ok. Donner un roux carnage. Les titans forment des portes, le but est de passer par celle-ci dans un ordre bien défini. Je vais d'abord te montrer et tu devras faire comme moi. Voilà, pas trop de détails, hein.
Ah mais moi je me souviens déjà plus, c'est fini là. Stop. Sont les autres là. Ah oui, merde. Oh là là, ça va être chiant ça. Oh là là. Bon, c'est rigolo hein, de voler comme ça, mais... Il a fait ça. Après, il a fait ça. C'est pas genre envolé comme ça. Ah, il y a un rocher. Bon, écoutez, ça me saoule là. Bon, on va arrêter l'épisode ici. Dans le prochain épisode, je vais essayer de passer ça. Je vais me remater un petit peu le gars. Il y a peut-être moyen de... Oh, je vais voir ça. Je vais voir ça dans le prochain épisode. Ça marche? Bon, allez, portez-vous bien. C'était ma cognure minou. Bye bye.